Salut à tous, c'est Ardedaï, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Pool Cleaning Simulator. Dans l'épisode 4, on a terminé la piscine scolaire qui était franchement un peu un casse-tête. Mais maintenant, on part sur la mission qui me hype le plus, le parc aquatique. Ce qui m'effraie un petit peu, c'est le première partie, ce qui veut dire qu'à mon avis, il y aura d'autres, mais bon. Bonjour et bienvenue, je suis le gérant du parc aquatique Nafali. Nouvellement créé, nous prévoyons d'ouvrir sa première partie du parc. Cependant, nous avons de petits problèmes. Mon méchant frère m'a laissé un crocodile dans son zoo. Quoi ? Mon méchant frère m'a laissé un crocodile dans son zoo ? Il était assis dans le toboggan et on ne peut pas chasser. Je compte sur votre aide. Vous aurez besoin de bon matériel. Bah tu m'étonnes, il y a un putain de croco dans ton parc. J'aimerais également que vous nettoyiez trois piscines et leurs environs. Voilà, sur le côté gauche de l'entrée se trouve... Voilà, avec des pompes. Utilisez le bouton vert pour contrôler du jacuzzi. N'oubliez pas des filtres pour le reste des piscines. Vous n'êtes pas obligé de vider l'eau de la piscine sportive. Cordialement, le gérant Andreas Watterson. Waouh, mais je pars pour une mission de malade mental. Là, j'en ai bien conscience. Alors, sécher. Waouh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien, c'est stylé. Moi, je trouve ça stylax. On sécher les flaques d'eau avec l'éponge. Oh, comment c'est satisfaisant, regardez ça. Ah ouais, satisfaisant. Ok, par contre, c'est grave stylé cette map. Non, franchement, le jeu est cool. Hein. Moi, j'y banco. Hein. Ok, ça c'est fait. Ensuite, y en a d'autres. Où sont les autres flaques d'eau? Tiens, ça, on pourrait le dégager du coup. Hein. Je te mets là en attendant. L'éponge, on a une là. Parfait, on y va. Voilà, quelle satisfaction. L'éponge, je trouve ça archi satisfaisant perso. Il y a vraiment ce côté où... Ouais, j'ai envie de tout nettoyer, quoi. C'est... Ah, c'est tout ? D'accord, ça dépend des zones, d'accord. Donc, il reste une flaque d'eau encore. On y va. Par contre, le crocodile dans le toboggan. Comment vous dire, je suis pas spécialement très serein sur l'idée de chasser un crocodile. Je suis pas équipé en plus. Donc, dans le doute, bon... Ouais, un étage. Me dis pas qu'il y a un étage. Oh, ouais, toboggan. Attends, c'est là où il y a le croco. Oh, je peux pas les prendre les toboggans. Oh, la déception, je vais tellement prendre les toboggans. À mon avis, je pense que je vais pouvoir le prendre, mais bon. Ouais, la map est gigantesque. Oh, j'ai passé 3 heures, à mon avis. Là, je pense que j'ai passé un bon bout de temps. Bah, écoutez, les gars, on va s'arrêter là. Je rigole. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça donnera un peu de force, parce que là, je pense qu'on part sur un truc, waouh, qui va être un petit peu fleurinichon, quoi. Par contre, le parc, il va être stylé, hein. Après, il n'y a pas grand-chose, tu vas me dire, mais ça va être stylax quand même. Moi, j'ai foi en son parc. De toute façon, je veux l'encourager. C'est ma manière de dire merci. Par contre, comment chasser le croco, quoi? Ah, dommage, je l'ai nettoyé, il est pas assez sale aussi. Comment chasser le croco? Waouh! Ça va être sympa. Mais à la fois, un peu fatigant, parce qu'il y a quand même ces espèces de... Allez, encore, voilà, ça c'est vraiment en 3D, donc c'est un peu difficile. Je peux nettoyer ce coup comme ça. Il faut bien rentrer dedans. Ah, je peux rentrer dedans. Oh, stylé. Oh, ça va être tellement long, ça va être tellement long. Regardez la durée du toboggan. Oh, la vache. Arrête. Arrête. Ça va durer. Non, mais arrête, c'est trop, là. Non, arrête. Pas encore. Non, 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 c'est trop long, c'est trop long. Je vais mourir. Et là? Ah, faut que je remonte du coup. Oh, ah, il faut que je fasse fuir le crocodile aussi. Alors comment? La question c'est comment? Attends, on est peut-être dans le rouge. Peut-être dans le rouge, hein. On va essayer de trouver le croco. Croco. Oh, il est là. Voilà. Waouh, on fait fuir le crocodile. Allez. Encore. Encore. Je peux plus passer, ouais. Ouais, il me laisse poireauter en attendant. Voilà. Il s'en va, c'est bon, je crois qu'il est parti. Il se barre. C'est moi y accéder. Allez. Ah, il me laisse pas y accéder. Ils veulent faire disparaître le crocodile, j'imagine. Il se barre, il est parti. Donc ça déjà. Encore, va-t'en. Donc crocodile, c'est fait. Il est parti. Par contre, le toboggan, je vais mourir, c'est encore plus long que la piscine. Bon, vous savez quoi? C'est un challenge que je suis prêt à accepter. Pourquoi? Pour vous. Pour vous les potes.
courage à avoir du taf là. Les développeurs ont fait un boulot sur ce jeu et je veux au moins faire cette mission quand même. C'est vraiment la mission, je pense, sur laquelle ils se sont donné plus de mal. C'est une manière pour moi de mettre en avant leur travail qui franchement est monstrueux mine de rien. On croirait pas comme ça, mais c'est super dur de faire un jeu les gars. Ouais, regardez, on a quand même bien avancé hein. Regardez, on a archi bien avancé, ça va aller super vite hein. Non, faire un jeu c'est hard hein. Franchement, pour ça que voilà, je me moque parfois à certains jeux machin, mais je respecte toujours en vrai. Au fond de moi, je respecte toujours parce que c'est dur quoi. Essayez de faire un jeu et vous me direz après si c'est facile. Ok, parfait. Hop. C'est pour ça quand j'entends quelqu'un me dire ouais, ce jeu là c'est de la merde. Ouais, des fois t'as des jeux vraiment pourris, je l'entends, mais. Quand même, y a des gens qui ont bossé derrière, quoi. Respect, tu vois. C'est comme si tu vas tondre la pousse de ton voisin. Et dis, oh la vache, t'as tondu comme une merde, mec, c'est dégueulasse. Alors si c'est vrai, c'est vrai, hein, vous allez me dire. Mais c'est quand même pas respectueux si vous avez donné du mal. Alors, ça se trouve, vous avez fait de la merde. C'est possible. Mais si jamais vous faites de la merde et que vous donnez du mal, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on vous dise t'as fait de la merde? Plutôt que de dire, écoute, j'ai vu que tu t'étais donné du mal. Mais franchement. Arrête. Tu fais du mal à toi au reste de la planète, tu vois. Par exemple. Là, je suis pas sûr que ce soit mieux finalement quand j'y repense. Je crois que je suis vraiment pas bon pour ça, moi. Je suis vraiment pas bon pour ce genre de truc. Hein. J'aimerais bien vous donner de morale un peu et tout, mais. Pff, malheureusement, je crois que je suis pas bon en morale. Hein. Alors oui, vous allez me dire un day sur tes streams quand tu fais des sponsors, et voilà. Bon. Mais c'est pas grave de tacler des jeux qui ont déjà des millions de joueurs. C'est pas grave, parce qu'ils survivent. Ils en ont rien à battre, ce que tu racontes. Mais là, bon, voilà quoi. Pas facile facile, on va dire. Là, c'est un développeur indé. Voilà, je respecte. J'ai beaucoup de respect pour les développeurs indé. Oui, je meuble, hein, parce qu'on a le temps de parler entre nous, hein, tranquille. Hein. Donc, chez toi, tout ça, on a largement le temps. Mais c'est le moment de faire plus ample connaissance aussi. C'est le moment d'échanger. Est-ce que vraiment, vous avez l'habitude d'avoir des youtubeurs comme ça qui prennent le temps d'échanger? Je suis pas sûr. Après, peut-être qu'ils font pas tous ce genre de jeu aussi, probablement. Mais quand même. Ah, j'ai quand même fait tout ça et je cours. Hein. Ouais, si, quand même. J'ai quand même bien avancé. Eh bien, écoutez, je vous propose comme tout à l'heure, enfin, comme la vidéo d'avant, pardon. Gustave va nous faire soit un accéléré, soit un cut. C'est lui qui choisit. Fais-toi plaisir, mon Gustave. Et puis, du coup, il va vous mettre le temps que je passe IRL dessus. Pour que vous puissiez, pareil, avoir une idée du temps que ça prend. L'idée, encore une fois, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, c'est pas de me plaindre. Genre, oh, regarde le pauvre, il a passé 3 heures dessus. C'est pas la question. C'est mon job, je le fais sans problème et avec plaisir. C'est surtout pour les gens qui potentiellement sont intéressés par le jeu et qui se demandent s'ils auront le temps de le faire. S'ils voient à peu près le temps que ça prend pour chaque étape, on peut peut-être se dire « Ouais, on est au début du jeu, ça prend déjà tant de temps, j'aurai jamais le temps de m'y mettre, par exemple. » Donc, on va faire ça. Allez, bon courage Gustave, let's go. Ok, bon, eh ben, écoutez, je viens de finir à l'instant de nettoyer le toboggan. Ça a pris, je sais pas combien de temps, Gustave les créa sur l'écran, mais ça a pris quand même, honnêtement, pas mal de temps. Pour être honnête, regardez, j'en fais le parcours avec vous, mais ça a été, j'ai dû faire tout ça. Tout ça à l'éponge. Ça a pris, regardez, hein, je suis en train de courir là, hein, je précise que je cours en même temps. J'ai fait tout ça à l'éponge. Autant vous dire que c'était assez tendu des slibards, comme on dit. Nettoyer la piscine principale. C'est celle-là? Oh non, oh non, 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 là c'est OG, là c'est OG. Là je pense que c'est OG qu'il faut le faire. Faut le faire OG. Ouais, et bah écoute, on va quand même... on va terminer là-dessus, je pense. Hop, on va terminer la piscine OG. Et je pense qu'on terminera cet épisode qui va déjà être très très long. Enfin, ça dépendra des cuts que fait Gustave. Mais théoriquement, c'est déjà mieux OG. C'est plus facile OG, je pense. Là, par contre, pour ça, ça vaut plus le coup de faire ça OG. Par contre, je vais encore avoir beaucoup, beaucoup de choses à faire, là, je pense. Hein. À mon avis, ouais, non, mais là, j'ai pas fini. Hein. En vrai, je kiffe beaucoup plus l'éponge. Je la trouve géniale, l'éponge. Je la trouve plus que... Je la trouve bien meilleure que le G, pour être honnête. J'ai l'impression que je vais plus vite à l'éponge, mais c'est certainement une impression. Ah, c'est l'eau, ok. Bon, et bah écoutez, c'est reparti, hein. One eternity later. Ça y est, je suis au moment où j'en ai marre. Je n'arrive plus à mentir à moi-même, je commence à en avoir marre, ça y est. j'en veux plus ce truc. Non, mais sans déconner, c'est trop long. Moi, je veux bien me lancer dans une mission un peu folle. Mais ça fait déjà quasiment une heure de tournage. Et on n'a même pas avancé, quoi. J'aurais dû m'arrêter au toboggan comme convenu. L'éponge est meilleure. Y'a pas photo, l'éponge est meilleure. Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, faut dire ce qui est. Hein. Faut dire les termes. Faut balancer les scuds. On pourrait même faire comme ça sur le côté, comme ça, regardez. Pop.
C'est beaucoup mieux à l'éponge. Moi qui me prends la tête depuis le début avec ce jet tout pété alors que je pourrais aller à l'éponge, c'est tellement plus rapide. Ah non mais là il n'y a pas photo, hein, c'est jour et la nuit. Hein. Frérot, c'est jour et la nuit. Hein. Hop, hop, regarde, regarde la vitesse auquel je vais. C'est le jour et la nuit. Et en plus je laisse même pas de traces comparé au jet où ça... Faut que je repasse qu'un seul au même endroit. Ce mur, on va le terminer assez vite. Ce qui devrait nous redonner, je pense, un petit peu d'espoir, un regain d'énergie, je l'espère. Parce que je vais être transparent avec vous, je suis en train de mourir à l'intérieur. Là, je meurs à l'intérieur de moi. Mais ça va. Ça va, ça va, je le prends bien. Tout va bien. Allez. Là, il y a des manquements. J'ai vu qu'il y avait des manquements ici. Je commence à avoir le coup d'œil à la longue. C'est d'aller un peu trop vite. Et c'est le souci. Parfois, tu vas aller trop vite et... Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, essayer de faire un tout bête. Je vais essayer de refaire un carré. Ah, je viens de gagner un succès. Passer une heure dans une piscine. Je sais pas si on est nombreux à l'avoir fait, ce truc-là, mais ce succès, mais bon. Franchement, on peut pas dire, ils ont un ouvrier appliqué de fou. Genre, je me suis jamais autant appliqué de ma vie, je crois, pour faire un truc sur YouTube. Là, honnêtement, d'essayer de me mettre super bien et de faire des choses comme un grand. Encore, voilà, on double. On sait qu'il faut doubler. Là, pareil, on va doubler aussi, c'est pas grave. Hop, on double. On double. Encore. Ok. On enchaîne. Parfait, comme ça, plus de manquement. Là, on y est. Allez, c'est la dernière, c'est la dernière. Voilà, qui nous met bien. Ok. Là, on va essayer de nettoyer vite fait quand même. Pas de raison que ça n'aille pas de ce côté-ci. Alors, pendant que l'éponge est placée à la perfection... Oh, j'ai pu le dégager. Parfait. Pendant que l'éponge est bien placée, on va essayer d'en profiter. Non. C'était bien l'éponge. Non, voilà, t'as redéconné. T'étais super bien pourtant. La déception, t'étais bien. Ça y est, c'est fini. Ouf, ok. Eh bah écoutez, je suis plutôt content. On va pouvoir s'arrêter là pour cette cinquième épisode, je crois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'hab, je vous encourage à vous abonner. Ça me donne beaucoup de force. Et c'est pour vous, je fais ce genre de contenu qui me prennent énormément de temps. N'hésitez pas non plus aux gens de Patreon, ça vous donne des avantages. Pareil, vous êtes remerciés à la fin de chaque vidéo, tous ceux qui ont rejoint le Patreon. Donc vous êtes à jamais inscrits sur la chaîne. Je pense que c'est quand même un bel avantage, ça peut être sympa pour vous. Et surtout, n'hésitez pas, ça me soutient. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao !